Un café, ma petite jeune? Oh, mais je veux bien. Mais depuis 8 ans qu'on travaille ensemble, c'est la première fois que vous m'offrez un café. 8 ans déjà, vous êtes sûr? Oui, je m'en rappelle très bien. Vous m'avez embauché le 8 septembre 94. Ouais. C'est vous qui m'aviez reçu. Vous m'aviez impressionnée, j'étais tétanisée. Mais oui, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais follement amoureuse d'un type qui vous ressemblait. Je pouvais pas aligner deux mots devant vous sans rougir. Et maintenant, je vous fais encore un peu d'effet, là. Non! Maintenant, avec votre gros ventre et puis un peu le truc qui s'affaisse, là, non. Oh, mais non, maintenant, vous faites plutôt penser à mon père. Vous devriez pas être au travail à ce temps-ci? Méfiez-vous, il y a plein de gens qui seraient ravis de prendre votre place. Des jeunes. Oh. Soyez gentils avec ces gens-là et c'est tout de suite la familiarité vulgaire. Hein. Jean-Guy, enfin, vous ne pouvez pas me demander ça. Mais ce n'est pas le supérieur hiérarchique qui vous demande ça, mais l'ami, hein. L'ami, quand vous y allez. Enfin, ma petite Jeanne, depuis le temps que nous travaillons ensemble, nous sommes intimes, non? Bon, d'accord. Si vous m'accordez cette petite faveur, j'aurai un bon geste en retour, hein. Voilà. Bon, bah d'accord. Non, mais si quelqu'un venait, ça pourrait être gênant, ça pourrait jaser. Bon, je t'en suis, tout le monde déjeune, il y a peu de risques, hein. Bon, bah d'accord. C'est bien parce que c'est vous, hein. Bah. Allez, enlevez votre pantalon. Vous êtes bonne, Jeanne, hein. Eh ben dis donc, effectivement, il était bien défait, votre ourlet, Jean-Guy, hein. Eh ben celui-ci, il a de la chance que j'ai toujours mon petit nécessaire de couture avec moi, tiens. Vous savez, comme le président est pointilleux sur la tenue, pas question d'aller le voir avec un pantalon décousu, et encore moins maintenant, sans pantalon. Vous avez donc finissez. Oui, oh. Dites-moi, Jean-Guy, le bon geste dont vous me parliez tout à l'heure en retour, ça pourrait pas être mon mercredi après-midi libre que je vous demande depuis si longtemps? Oh non, c'est pas le moment de parler de ça, hein. Oh ben si, justement, c'est le moment, moi je trouve que c'est le moment parfait. Dites-moi, vous n'essayez pas de me faire chanter par hasard parce que vous avez mon pantalon entre les mains. C'est pas vous, ça. Hein. C'est pas moi, mais vous savez, des fois, une mère de famille pour ses enfants est capable de faire des choses osées. Eh ben, bravo. De toute façon, moi, je peux pas m'engager comme ça, hein, sans réfléchir. Hein. Il faut une petite contrepartie. Eh ben, par exemple, j'échange une demi-journée de RTT contre cet après-midi. Non, c'est pas suffisant. Une journée entière. Et on oublie la petite augmentation de salaire de fin d'année, hein, d'accord? D'accord. Bon, alors, maintenant, finissez le pantalon, hein. Excusez-moi, Jean-Guy, mais qu'est-ce qui me prouve qu'une fois votre pantalon récupéré, vous tiendrez vos promesses? Alors là, vous allez un peu trop loin, hein. Parce que moi, pour aller voir le service du personnel, il faudra bien que je récupère ce pantalon. Alors finissez-le tout de suite. Oh. Alors? Oui, ça vient. Ça va, mais... Mais qu'est-ce que tu fous? T'as l'air toute joyeuse, toi. Mais ouais, figure-toi. Je vais enfin pouvoir passer mes mercredis après-midi avec mes enfants. Bah comment t'es au courant de ça? Ça devait rester secret jusqu'à la signature. De quoi? Bah, le fait que les mères de famille allaient bénéficier de leur mercredi après-midi. Eh, on les a eus, hein. Ça a bien fait chier direction, mais on les a eus. Oh, oh. La conne! Mais non, pourquoi tu dis ça? Eh, attention, le plus beau, c'est qu'on a obtenu ça sans aucune contrepartie. Qu'est-ce qu'on dit? Le salaud! Quoi? Bravo! Ah, attends. Vous êtes venu en vélo, Jean-Guy, ou c'est une crise de croissance? Prout! Venez, je vous paye un petit cacolac.